Amis du Tairos Paradise Club, bonjour. On va essayer de faire pas un tuto, mais montrer les branchements pour pouvoir avoir à la fois le chant et la guitare qui passe par le Tairos. Alors, on va monter déjà en mono, et puis ensuite je basculerai en stéréo. Mais je vais vous montrer ça à l'arrière du Tairos. Voici l'arrière du Tairos au niveau des branchements. Le micro, la ligne micro est ici avec l'XLR, micro input. Ici, on a auxiliaire in avec trois emplacements. On a à droite la stéréo, à gauche le mono et complètement à gauche un réglage de mini vers maxi. On introduit la fiche de la guitare, la fiche jack de la guitare. Soit sur le mono, soit sur le stéréo. Et surtout, on va tourner ce petit bouton-là vers la droite, complètement de façon à sortir au maximum de son, un maximum de son de la guitare. Voilà, ça c'est fait, on passe à la suite. On récapitule, vous pouvez faire pause si vous voulez pour lire tranquillement, il y a environ une dizaine de secondes. Donc maintenant vient le moment où on doit brancher la guitare. Donc là surtout on vérifie bien que les potentiomètres sont à zéro pour pas qu'il y ait de choc au niveau du son. Voilà, on va vérifier que le son passe dans le Tairos. Montrer que ça passe, je sais pas si on l'entend à la vidéo, je fais sans l'amplification et avec l'amplification du Tairos. Donc le son passe bien. Maintenant je vais monter doucement le micro. 1, 1, 1. Comme je suis un peu loin, je vais reculer, je vais mettre le micro au maximum. A priori, c'est bon. Donc là, j'ai changé à l'arrière, j'ai replacé le... J'en ai mis en mono, mais là, j'ai replacé en stéréo. Et donc, ça sort un petit peu plus fort. Bon, je suis pas un spécialiste de la guitare, hein, c'est juste pour le plaisir de gratouiller un peu. Ni de Tairos d'ailleurs. La musique a roulé. La dame du poulier a pigé la rythme et s'est mise à danser là, là, là sur les airs des tropiques. Et tous les grands scandines a dansé la samba. Pas oublier de baisser le son. Bon, alors il y a un petit bémol. J'ai essayé de le faire en enregistrement sur le Tairos, et là par contre ça passe pas du tout. Donc on va pouvoir s'en servir
comme ça en direct pour avoir un effet, mais pour l'enregistrement lui-même, j'ai pas trouvé. Alors avis aux amateurs, s'il y a des gens qui veulent chercher la solution, en fait ce serait plutôt l'objectif hein, aussi de pouvoir enregistrer ce qu'on fait, guitare, voix et Tyros. Voilà. Bon, la porte est ouverte. Hein. Ciao et bonne fête de fin d'année.